as you wait. Heal my fear, my soul. Hear a little stick you with your way. Who more marble warm? Heal my fear, it does away. Heal my fear, my soul. And a brand new stuff they feel. And the work my mama feel. You live to outside of water. Jean-Claude Moly, assis sur celle-là. Voilà, les photos pour la postérité. Bravo. C'est belle, hein. Champion, mais après on verra que la vie me réserve parfois d'autres chemins. Et voilà, elle était destinée à être un peu avec ce garçon-là et finalement elle va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Et moi je prends en charge cette partie de l'histoire où elle est séduite par Armand et elle tombe enceinte, c'est assez joli. Et voilà, je suis contente. J'adore ce personnage, j'adore l'ambiance du film, le côté époque, puisque ça se passe dans les années 60 pour la partie. Je suis d'origine guadeloupéenne et capverdienne. Guadeloupéenne du côté de ma mère, donc ma grand-mère vit à Marie-Galante, au Galet, près de Capesterre. Et j'y suis allée pendant le tournage, les jours où je tournais pas, j'allais me reposer chez elle. Et dès que j'ai lu le premier résumé, j'ai tout de suite voulu vraiment en faire partie parce qu'en effet, j'étais pas au courant. Moi, c'est l'histoire. Ma grand-mère a une histoire avec le baby d'homme et pas mal de personnes de ma famille ont une histoire avec le baby d'homme et je n'avais jamais entendu parler de ce programme. Et même dans le scénario, il y a d'autres faits qui sont révélés comme le chlordécone, les attentats, enfin voilà, comment ça se passe en Guadeloupe dans les années 60. Et vraiment, j'ai tout découvert et j'ai envie de le partager parce que je pense que voilà, la Guadeloupe, ça fait partie de la France et on nous apprend l'histoire de France, mais on nous apprend pas forcément l'histoire de la Guadeloupe. Et c'est vraiment dommage parce que ça nous aiderait à ce qu'on comprenne, ce qu'on s'accepte plus. On le fait d'une manière agréable, dans la bonne humeur, avec une histoire, une fiction que tout le monde pourra suivre, qui donne des émotions, qui. Enfin voilà, on mêle l'utile à l'agréable. On n'est pas dans une conférence, on n'est pas à taper sur les doigts des gens, ah là là, c'est pas bien ce qui s'est passé, mais en même temps, on raconte des histoires. J'ai une vision beaucoup plus complexe. Je venais par exemple juste en vacances, et puis je me contentais de certaines histoires de ma famille, mais pas toutes. Et c'est vrai que
là, je suis venue dans une optique différente. Je suis venue avec l'envie d'aller au Memorial Act, l'envie de plus m'intéresser à voilà, comment ma grand-mère est arrivée des galets à Marie-Galante, à Marseille, puis au Havre, puis à Paris. Comment ça se fait que moi, j'ai pu naître à Paris? C'est tout un cheminement, même mes origines. Souvent, quand on regarde, les gens ont du mal à cerner, parce qu'ici, il y a tellement de mélanges. Bonjour, je m'appelle Sandrine Salière et je joue le rôle de Maryse. Voilà, dans le rêve français. Je suis la grande sœur de Noël et de Doris et l'amie d'enfance de Samuel. Voilà. Et donc mon personnage dans ce film, il représente un peu cette génération d'enfants aînés qui vont rester aux côtés de leurs parents, qui seront leur bâton de vieillesse. Voilà, donc ça c'est Maryse qui a beaucoup d'amour pour sa fratrie, ses parents, et qui va dédier sa vie voilà, à sa famille. Elle va soutenir sa sœur quand elle sera maman. Elle va soutenir son père dans la maladie jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est une jeune fille qui aura pas pris le temps pour elle, en fait. Le temps de tomber amoureuse, le temps de... Voilà. Elle aura rêvé d'aller en métropole, voilà, comme beaucoup de générations, d'être fonctionnaire, d'avoir une vie différente, en fait. Mais finalement, c'est pas du tout ce qui va se passer pour elle. Elle va découvrir Paris par le biais de Doris. Ça sera pas forcément ce dont à quoi elle s'attendait, mais en tout cas, elle y restera pas. Elle restera pas en métropole. Elle rentrera très très rapidement à la Guadeloupe. Et moi, en tant que comédienne, c'était important de faire ce projet parce que je suis antillaise. Et du coup, en fait, c'était peu importe. Voilà, j'aurais fait même un rôle qui tient une porte dans ce film. Ben, je l'aurais fait avec grand plaisir et grand cœur, parce que c'est toute une histoire, que ça nous touche. Je suis aussi une enfant de la métropole, donc du coup, ça explique beaucoup de choses. Voilà, les envies de nos parents, les sacrifices qu'ils ont dû faire, le fait d'être loin de son île aussi. Voilà, effectivement, je ne suis pas née ni à la Guadeloupe ni à la Martinique, mais voilà, le manque se ressent. Et il y a aussi comment, voilà, en métropole, on grandit avec une double culture. Et le pourquoi aussi, on s'est retrouvés avec cette double culture. Voilà, ça n'a pas été toujours un choix pour tous les membres de la famille, mais il a été fait. Voilà, donc je suis très contente qu'un projet puisse mettre en lumière ce pan de notre histoire. Et je suis fière d'en faire partie. Du film, où je suis l'assistante du chef costumier, le créateur des costumes. Voilà, mon rôle sur le plateau, c'est de faire le lien entre la création du Café Eric et de ce qui va se tourner, ce qui va être sur le plateau, donc d'habiller les comédiens, de faire en sorte qu'ils soient toujours prêts, à l'heure, voilà, que les costumes soient propres, repassés, qu'ils soient toujours raccord avec ce qu'on a déjà tourné, que si la chemise avait deux boutons ouverts sur la séquence qu'on a tournée il y a 5 jours, et ben, il faudra faire en sorte que ça soit deux boutons ouverts ce jour-là aussi. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc avec Mika qui est habillée sur le plateau, on prend des photos, on note nos raccords. Et puis, en plus de tout ça, on a un gros impératif sur ce film, c'est que c'est un film d'époque. Donc il faut bien respecter les looks. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut toujours faire attention aux comédiens, parce que on portait les jupes ou les chemises d'une manière qui ne se fait plus aujourd'hui. Nous avons des jeunes comédiens en plus qui n'ont pas forcément connu cette époque. Donc on remet toujours les shorts à la bonne taille, on fait très attention parce que bah, voilà, il faut aussi respecter la ligne de l'époque. Voilà, et c'est le fait de tourner ici en Guadeloupe, d'avoir fait venir tous les costumes de Paris puisqu'on a tout loué. Voilà, c'était une très très grosse organisation. Et en arrière également, puisqu'il faut tout laver, il faut tout repasser, il faut que tout reparte à Paris nickel entre les costumes qui vont être raccord là-bas, tout ce qu'on doit rendre chez le loueur. Et donc c'est une très très grosse organisation pour nous, parce qu'on n'est pas très... Il y a une chose qu'on n'avait jamais pris en compte quand on a préparé ce film, c'est qu'il pouvait énormément pleuvoir en Guadeloupe.
Et donc, notamment quand on a fait la séquence de la manifestation, où on s'est retrouvé avec 150 figurants qui étaient complètement mouillés. Ça, on n'a jamais imaginé ça. On avait tout prévu pour que les comédiennes n'aient pas trop chaud. Voilà, et pour leur confort personnel, voilà, et on a toujours des petites astuces, mais on n'a jamais imaginé qu'il pleuvrait autant. Yann Gaël, je joue Samuel Regnat dans Le Rêve français. Samuel traverse le film. En premier, il est un peu livré à lui-même, il ne sait pas trop ce qu'il veut, et puis il y a quelque chose qui lui tombe dessus. Il se retrouve en prison, et de là, il devient avocat. Et voilà, il lui arrive plein de choses. J'ai reçu le scénario en même temps que j'étais étonné, parce qu'on dit beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais ils ont lu, parce qu'on est rarement aussi honnête avec, avec ce qui s'est passé en France et dans les Antilles. On s'est beaucoup parlé pour préparer le film. On a parlé énormément parce qu'il y a beaucoup de choses dans le scénario, mais aussi parce que c'est des êtres humains qui se choquent, qui s'entrechoquent. Et il y a la destinée, tu vois, on choisit pas qui on est, d'où on vient, et on a un peu de maîtrise sur qui on devient, mais pas tout le temps. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'amour autour du film. L'histoire, elle est pas simple, mais moi, tous les gens, j'ai envie de les prendre dans mes bras. Sur ce film, j'ai vraiment envie de prendre tout le monde dans mes bras, et si les gens qui le regardent sentent ne serait-ce qu'un dixième de tout ce que, de tout ce qu'on a partagé, de tout ce qu'on s'est dit, je pense qu'on aura vraiment, touché quelque chose. Ce qui est super, en dehors du fait que le scénario est très bien écrit, c'est que Christian est dans sa direction très malin, très subtil, et on sent beaucoup, beaucoup de liberté. Et on peut juste faire son travail d'acteur, en fait. La confiance dans les gens, et c'est plein d'amour. C'est une histoire pleine d'amour. Voilà, une histoire qui parle du bumidum, ce qui est pas simple et ce que peu de gens connaissent, en fait. Mais je pense que les personnages sont tellement attachants qu'on plonge. En tout cas, moi, j'ai plongé. Samuel vieillit. Pendant le film, on suit pendant longtemps, pendant plein d'étapes de sa vie, certaines plus légères que d'autres. Et de pouvoir tenir un rôle comme ça jusqu'à un certain âge, jusqu'à 69, 70 ans, c'est un cadeau. C'est un cadeau de dingue. On n'a pas souvent l'occasion de faire ça. Et on se pose plein de questions, du coup. Ça veut dire quoi de vieillir? Ça veut dire quoi d'être jeune? Et je sais pas, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir.